m'appelle Marie-Christine Acoul et je suis originaire de Madagascar. Permettez-moi de commencer ma présentation par un chiffre. 3. 3 personnes sur 4 à Madagascar n'ont pas accès à l'eau et au savon. 3, c'est aussi le rang mondial de Madagascar en termes de difficulté d'accès à l'eau potable et à des structures d'assainissement. 3, c'est enfin le rang mondial d'Antananarivo, notre capitale, jugée troisième ville la plus insalubre au monde d'après le magazine Forbes. De ces défis, mon équipe et moi-même avons créé des opportunités. Depuis 5 ans, mon entreprise sociale, le Green & Cool, se mobilise dans la gestion des déchets et la création d'emplois pour les plus vulnérables. Ce sont une quarantaine de personnes, en particulier des femmes, que nous appuyons aujourd'hui dans leur autonomisation. La pandémie nous a permis de lancer un projet qui nous tenait à cœur, Also, un savon éco-responsable fabriqué à partir d'huiles alimentaires usagées. Ces huiles, sources de pollution et de canalisation bouchées, sont récoltées, traitées et transformées en savon entièrement biodégradable, testé et garanti non nocif pour la santé. Pour chaque savon acheté, un savon est offert à une structure solidaire. Les savons sont aujourd'hui vendus à des ONG, à des entreprises, à des particuliers, à des prix similaires voire moins chers que ceux de nos concurrents. Et en moins d'un an, grâce à nos ventes, nous avons réussi à partager plus de 20 000 savons gratuitement dans des écoles, dans des prisons et auprès de personnes en difficulté. Ce sont aussi 12 emplois qui ont été créés spécifiquement pour ce projet, pour des personnes en réinsertion, et cela en pleine pandémie. Nous sommes donc optimistes dans nos perspectives d'avenir et de croissance grâce à une demande toujours en hausse de savon, des partenariats avec des mairies locales, mais surtout le développement d'autres formules de savon alternatives en cours, lesquelles sont abordables et pourront toucher les zones rurales les plus enclavées. Nous disposons d'ores et déjà des équipements, du savoir-faire et sommes capables d'assurer cette année une production minimale de 20 000 savons par mois avec un minimum d'impact environnemental. Pour aller plus loin, nous avons aujourd'hui besoin d'étendre notre réseau de vente dans d'autres régions de Madagascar et visons même le marché international à plus long terme. Suivez-nous et supportez-nous dans cette aventure en nous suivant sur la page Facebook Think Green Madagascar. Merci. Bonjour, je m'appelle Eric Ghislaine Thiam, je suis Camerounais, je réside à Yaoundé au Cameroun. Selon les dernières statistiques de la FAO, plus de 800 millions de personnes dans le monde sont en situation d'insécurité alimentaire et en même temps 37 pays ont besoin d'une aide alimentaire extérieure. Pourtant, l'Afrique regorge des potentialités telles que sa jeunesse, plus de 60% de la population est jeune. Également, le potentiel irrigable est énorme, moins de 6% de ce potentiel est utilisé. Alors, en 2017, j'ai créé la start-up Global Energy Solutions, dans laquelle nous avons développé AgroPath, qui est une solution qui permet de mettre à disposition des agriculteurs des kits solaires d'irrigation automatique, autonome, intelligente, monitorée à distance par téléphone ou portable grâce à notre plateforme dédiée. Alors, les problématiques que nous voulons apporter du soutien aux agriculteurs, c'est le changement climatique, le problème d'exode rural et les sécheresses prolongées qui entraînent les baisses de productivité, causant ainsi la flambée des prix des produits agricoles dans nos marchés. Comme cible, nous ciblons premièrement le petit agriculteur qui n'a pas de moyens, qui vit en milieu reculé et qui a des difficultés de production. Nous mettons la solution à sa disposition, il paye 20% pendant l'installation et le reste, il paye en mensualité pendant 12 mois et nous lui garantissons le service après-vente sur un an. Maintenant, la deuxième cible, c'est les entreprises agricoles, les entreprises coopératives et associations agricoles. Nous mettons la solution à leur disposition, mais elle est un peu plus coûteuse parce que nous les conseillons, nous les suivons de bout en bout en leur prodiguant des conseils de fertilisation, irrigation, suivi et croissance des cultures. À ce jour, nous avons 4 sites fonctionnels au Cameroun qui fonctionnent avec du SMS. Et également, à ce jour, nous avons un besoin en financement de 182 millions de francs pour pouvoir déployer la solution et terminer la R&D. Et l'avantage que nous avons avec cette solution, c'est qu'elle permet de centraliser toutes les données à
agricole sur une même plateforme permettant ici à l'agriculteur d'avoir une plus grande visibilité sur son exploitation, également lui permettant de pratiquer une agriculture de précision durable, résiliente, responsable, rentable, mais surtout respectueuse de l'environnement. Merci. Alors, bonjour à tous, je suis Madame Messina Vikoumé, fondatrice et directrice générale de la société Messibat International, qui est une société de construction écologique et économique basée au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Nous sommes à peu près 7 salariés dans l'entreprise entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. En fait, notre but est de lutter contre le réchauffement climatique, dont nous avons mis au point des systèmes de construction écologique et économique qui permettent en fait de faire de construire des bâtiments à énergie positive et bas carbone, qui permettent de lutter contre le déficit de logement partout dans le monde et aussi de pouvoir faire des économies dans les coûts de construction. Donc avec nos systèmes de construction écologique et économique, on peut économiser 30% sur les coûts de construction, donc ce qui n'est pas négligeable. Nous avons été dernièrement en octobre 2020 labellisé par la Fondation Solar Impulse comme l'une des 1000 solutions efficientes au monde. Donc, ce qui fait qu'actuellement, nous avons beaucoup, beaucoup de demandes dans le monde entier, des entreprises qui souhaitent travailler avec nous. Et pour le moment, on ne peut pas répondre à toutes les demandes parce que nous sommes en train de faire une levée de fonds et pour pouvoir avoir de la trésorerie, pour pouvoir créer une unité de production industrielle ici en Côte d'Ivoire. Notre business model, en fait, se base sur quoi? Ça se base sur plusieurs points. Déjà, notre clientèle principale est la diaspora. Nous construisons pour eux des logements écologiques et économiques, autonomes en énergie, eau potable et assainissement par le bambou. Nous avons déjà certains partenaires en France pour développer des éco-quartiers, en fait, soit en Côte d'Ivoire, soit au Cameroun. Et dans notre business model aussi, nous permettons aussi à nos clients d'acheter du terrain, des terrains pour construire. Nous leur faisons des plans architecturaux, mais bioclimatiques. Également, nous certifions aussi tous les projets avec la certification verte Edge Building, qui est une certification qui permet en fait de faire des économies aussi dans le bâtiment que nous construisons, qui est certifié par la Banque mondiale et l'IFC. Bonjour tout le monde, je suis Caro, je suis diplômée en SEO, Chief Marketing Officer de Saint Vital SH, une start-up officiellement créée en 2020. Nous proposons des solutions innovantes dans le domaine de la santé numérique. Saint Vital SH est également une équipe de 10 personnes avec des compétences variées allant du juridique à la cybersécurité pour vous offrir un service de qualité et assurer la sécurité de vos données. Notre projet est destiné à aider les personnes vulnérables qui peinent à être prises en charge et qui perdent du temps pour bénéficier des services de santé et avoir accès à leurs informations. Afin de bénéficier d'un gain de temps, de rapidité de prise en charge et d'accessibilité des données, pour nous, la solution est le passeport santé de Saint Vital, un code QR qui sauve des vies. Le pass santé rassemble toutes les informations vitales essentielles dans une situation d'urgence ou de routine médicale et est disponible sous la forme d'un code QR portatif. Vous êtes sans doute au courant qu'un enfant meurt toutes les 2 minutes au Sénégal. 7 médecins sont alloués pour 100 000 habitants, ainsi que l'indisponibilité des données de santé en cas d'urgence ou de routine médicale. À cela s'ajoute la perte de temps pour une simple consultation ou des erreurs médicales. Pour répondre à la problématique, notre équipe a développé le pass santé pour sauver des vies. Un simple scan permet d'accéder au profil d'urgence du patient, groupe sanguin, allant des identités et des antécédents médicaux. Il est disponible sous format carte, pendentif et stickers. De plus, vous pouvez contacter un professionnel de santé à tout moment et en tout lieu via la télémédecine et récupérer un dossier médical ainsi qu'un outil d'adaptation.
détenteur de référence d'agrément de la part de nos autorités compétentes, notre plateforme est accessible via web et mobile. Vu la diversité de nos services, nous sommes dans le B2B, le B2C, le B2B. Nous avons obtenu 2 approbations pour la sécurité et la confidentialité de vos données et travaillons avec 5 professionnels de établissements de santé. Notre solution a un impact sur la santé à travers l'amélioration des prises de prise en charge et aussi un impact socio-environnemental à travers la RSE et les campagnes Caravane Santé que nous organisons. Au cours des 6 prochains mois, l'objectif est d'inscrire 100 000 utilisateurs, 100 professionnels de santé et 20 établissements de santé. Un déploiement également en cours dans la sous-région. Pour ce faire, nous visons un financement de 40 000 euros qui nous permettront de renforcer notre équipe IT, de réaliser nos stratégies de mise en place et atteindre notre objectif. Avec Senvital, nous résolvons, nous innovons, mais le plus important, c'est de sauver nos vies. Bonjour, je suis Siha Mftahi, je suis la fondatrice de l'entreprise sociale Mamiam qui est maman maison au Maroc. On est parti du point que 70% des femmes chefs de ménage sont inactives. Pour cela, on a choisi comme métier la cuisine. Voilà, c'est le savoir-faire culinaire international des femmes pour créer une entreprise solidaire qui regroupe des activités génératrices de revenus, des activités à fort impact social. Pour les activités à fort impact social, on a une sorte d'incubateur maman qui est divisé annuel, qui est divisé en 2 parties. Une première partie de 9 mois qui regroupe des formations et une deuxième partie de 3 mois qui est dédiée à l'accompagnement pour insertion pour aider ces femmes à créer leur propre entreprise ou bien coopérative ou bien même être insérées via le salariat. Pour les activités génératrices de revenus, on a comme première activité un traiteur B2B en moyen haut de gamme fait maison, plus on fait de la vente des plats sur commande et aussi en un milieu de semaine, chaque jour, un plat. Avec la crise sanitaire, on a développé une nouvelle activité qui est Mamazo, c'est une activité aussi simple, 50% des plats achetés via le Mamazo sont dédiés à une collecte de dons. Pendant la crise sanitaire, c'était vraiment dédié à aider les familles pendant la crise et maintenant, aider pour collecter de l'argent et des dons pour des actions sociales. Aujourd'hui, on est dans le marché B2B, on a quand même une dizaine de clients, donc on a réussi à signer pas mal de contrats, mais ceci, on est en moyenne de 15 commandes par jour. Pour développer ça, on a besoin principalement aujourd'hui de 3 choses. La première, c'est de développer encore plus la partie marketing digital pour les B2C. La deuxième, c'est qu'on est en train aussi de digitaliser tous nos processus pour faciliter les choses, non seulement pour les clients pour commander, mais aussi pour la gestion interne de la logistique, de la production. Aussi, on est en train de revoir et mettre en mise à jour la plateforme de Mamazo. Voilà, merci beaucoup.